citoyen, notre fil d'esprit, tu as écriture de projet, notre fil d'esprit, tu as une solution, tu as un problème. Déjà, rencontrer plein de gens hyper intéressants de différents domaines et du coup d'une autre culture, puisque je connais pas du tout la Tunisie. Et voilà. Et puis pouvoir justement participer à un projet qui puisse se faire et pouvoir justement proposer des alternatives. Bah, du coup, ça permet déjà de rencontrer plein de jeunes et qui sont très intéressés dans le fait de faire développer leur pays et d'amener leur regard à eux. Donc, je suis arrivée comme le projet que j'ai fait. Alors, on a une salle de musculation, on a un fauteuil, le crèche, la table, on a un parc pour le bicyclette, on a c'est joué pour les enfants, on a le poubelle, on a un parc couleur parce que par tri, on a le plastique, on a le papier. Alors, c'est la première fois que je participe au Forum Jeunesse. Parce que j'ai plusieurs idées de projets, je veux les élaborer, les développer, et aussi s'enrichir. Et la chance que l'Institut français nous donne pour échanger et pour financer notre projet, c'est une chance à ne pas rater. J'étais un participant l'avant-dernière année. Le thème de l'environnement, ça m'intéresse beaucoup. L'expérience d'un participant à un formateur, ce sont deux échelles différentes. Un participant, c'est apprendre et avoir des idées, et arriver pour trouver de l'information et tout. Mais facilitateur, c'est de guider, orienter, aider, partager ton expérience en tant qu'expert. Donc c'est génial comme expérience.